Bonjour, moi c'est Mika, bienvenue dans mon atelier. Je vais vous présenter un perforateur buriner SDS Max de chez AEG, c'est le PN11E. Vous pouvez le voir à la taille de la boîte, c'est pas un jouet. La machine est livrée dans sa boîte de transport avec une poignée supplémentaire, la notice et un tube de graisse. Ce perforateur de 1700 watts, c'est un monstre de puissance qui peut percer dans du béton jusqu'à 50 mm de diamètre. On peut même dire que c'est un marteau de démolition. Selon l'utilisation et les besoins, on pourra rabattre cette poignée en D tout simplement contre le corps de la machine pour ne pas qu'elle nous gêne. Ici, j'ai placé la poignée supplémentaire à l'arrière pour s'en servir comme d'un vrai marteau piqueur pour que ce soit ergonomique. On pourra mettre une main de ce côté, une main de l'autre côté sur la gâche. Là, on peut apercevoir le régulateur de vitesse, donc plus ou moins. Là, en petit, c'est un voyant. Donc, au cas où il y a de la maintenance à faire, ben, on pourra le voir tout simplement ici. On aura un visuel. Alors, le câble, c'est vraiment pas mal parce qu'ils ont prévu 6 mètres de longueur. Donc, ça, c'est très rare. Là, on a la partie où on peut régler la rotation ou ici les percussions. Donc là, on a rotation avec percussion, rotation sans percussion. Et ici, le mode burinage. Je vais y insérer un burin, mais avant, je l'ai graissé avec la graisse fournie avec. Voilà, faut vraiment y penser, le faire de temps en temps, c'est vraiment recommandé pour que le forêt coulisse bien et qu'on n'ait pas de mal à l'insérer et à le sortir. Pour l'insérer, c'est très simple, il suffit de le mettre dans la tête, hop, et là, il est dedans. Pour le sortir, c'est exactement pareil, sauf qu'il faut appuyer et puis le tirer. Je m'apprête à percer dans du béton plein, alors je monte un forêt de 40 mm béton. Il faut savoir qu'on peut aller sur du forêt de 50 mm avec, et en trépant par contre jusqu'à 150 mm. Elle est dotée d'un démarrage progressif, alors au démarrage, elle démarre relativement doucement, ce qui nous permet d'être relativement précis. Donc là, ça tape vraiment fort parce que je me suis réglé haut en intensité, donc là, elle est au maximum de sa puissance, et on peut voir que ça rentre bien dans la matière et que ça tape vraiment fort. Grâce au système ABS intégral, on ressent vraiment que les vibrations sont réduites. On a un faible niveau de vibration dans la poignée et ça, c'est vraiment agréable. Le fait d'avoir cette poignée supplémentaire, ben on sent vraiment que c'est beaucoup plus ergonomique parce que normalement, on n'a pas beaucoup de place sur la poignée seule et on est gêné, alors que là, on a bien de l'espace, on peut bien le maintenir. J'espère que ces explications, cette démonstration vous aura aidé dans votre choix. Alors, je vous dis à bientôt.